les geeks et les geekettes, bienvenue chez Luna. Nous partons pour de nouvelles aventures dans l'espace. Je vais vous présenter Starbound. C'est un jeu où nous allons suivre les aventures de Luna, une petite florane. Alors en fait, c'est une race humanoïde plante. Et elle s'est sauvée de sa planète. Donc elle nous attend actuellement parce qu'elle cherche refuge dans la galaxie. Donc là, elle est en orbite autour de la planète Alpha Hydor 9141 et elle n'attend plus que nous. Donc allons-y. Nous voici donc en jeu pour commencer Starbound. Je vous présente Luna, notre petite florane. J'ai avec moi Val en intercom qui est à l'autre bout de la galaxie qui va m'aider sur cette nouvelle aventure. Bonjour Luna. Bonjour Val, tu m'entends bien ? Ouais, je t'entends. Alors tu es où là ? Alors là je suis dans mon vaisseau, comme je viens de me sauver de ma planète, il n'y a encore pas grand chose dedans. Je vais prendre dans mon coffre 2-3 items, histoire de ne oui. pas aller toute nue sur la planète. Alors, effectivement, t'as ton matière manipulateur, donc il va te permettre de... Je suppose que ça sert à miner, ce genre de voilà. truc. Une petite lampe torche. Une lampe torche, oui. Ça ton peut épée. Servir. Prends ton épée, c'est très important, car c'est plutôt hostile. Et puis une tente... De faire un peu de camping. T'as droit à une pioche et a priori t'as encore quelques graines, donc t'as qu'à les prendre, on sait jamais à quoi ça pourra te servir. Bah, je vais miner, je pense, et puis on va essayer d'explorer aussi un petit peu tant qu'à faire. Voilà. Voilà. Alors voilà mon cockpit aussi, je peux aller me balader dans la galaxie. Bon, je suis un peu à court de fuel là, pour l'instant, donc je ouais. peux faire des sauts et. PRL, c'est ça ? Oui, PRL, plus rapide que la lumière. Pas très loin pour l'instant. Alors ? Allez, on va découvrir la planète. Ouais. Montre-nous un peu où tu es. Allez, zou. Alors, c'est un biome forêt, normalement. C'est mignon, la terre est de la même couleur que ma tenue. C'est tout rose, dis donc. Ouais. Oh, vache ! C'est des tentacules ? Je suis sur une planète tentacule, Luna. Bon, très bien. Alors, donc ça, c'est la flore locale. Alors, n'y prête pas trop attention pour l'instant. Ouais, ok. Donc, pour toi, c'est de la flore, ça. Oui, a priori. Ah, là, il y a de la faune. Dis-leur bonjour. Salut. Gentil. Vous voulez être mes amis? Bonjour. Ah oh, non, ils ont pas l'air trop... Qu'est-ce qu'il veut ? Je sais pas, il Bonjour. Me fonce dessus. Oh putain. Oh là ! Oh mais... Luna ! Oh, vache ! Bats-toi ! Ouais, mais... je fais ce que je peux. Voilà. C'est bien. Bon, bah écoute, a priori... Et là, il va falloir un espèce d'œuf là-devant. Ah oui. C'est des... Voilà, il t'attaque. Tue-le, Luna, tue-le. Non mais pourquoi ils sont méchants avec moi? C'est bizarre. Hein. Ils sont peut-être pas obligés de m'attaquer non plus. Bon, je crois qu'on va... Tu vas être obligé de décimer la planète. Oh la vache. Aïe, aïe. Oh, il me charge. Et ben, ils sont agressifs, hein. Il fait mal. Bon, et lui, j'espère non. Hein. Non mais ça va, allez. Oh là 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 là. J'aime pas cette planète. Allez, mets-lui des bons coups d'épée. Voilà. Et bien. Mais je sais pas si mon épée, elle fait très mal en plus. Je crois qu'elle est cassée. Bah ouais, je crois que c'est la petite épée de base. Non, toi t'es gentil, hein. Tu m'attaques pas, hein. Non, hey. Il a l'air gentil, lui. Bonjour. T'as l'air mignon, toi. Voilà, bon. Très bien, sympa. Donc tu... Bon, il y en a quand même flore... qui m'attaquent pas, c'est cool. Tu as de la faune gentille. Alors... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu Tiens, rien de là, on dirait... c'est du charbon, non ? Ça, c'est bon pour mon vaisseau. Je vais en prendre un petit peu. Alors... Parce que oui, la pauvre Luna s'est enfuie de sa planète, mais elle a oublié de faire le plein juste avant. C'est-à-dire, je me suis enfuie, en fait. Donc, globalement, j'ai pas eu le temps de préparer des affaires pendant 3 mois. Ah, et là, regarde. C'est cool, je mine. Donc oui, ton but, Luna, ça va être de commencer par récupérer quelques ressources. C'est ça. Mais je pense que je vais me faire un petit abri après, mais je vais d'abord explorer ouais. un peu la planète, histoire de voir... Oula. Ah, 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 ah.
Mais... Non, mais non, mais ils sont pas obligés de m'attaquer. Ils sont plutôt méchants, ceux-là. Hein. Défends-toi, Luna, défends-toi. Du steak. Oh, bah, du coup, j'ai... Voilà. T'as trouvé un steak. Bon. Alors, ce qu'il faudrait que tu fasses, là, c'est que t'as plus beaucoup de points de vie. Ouais. Donc, l'idéal... Tu crois que ça peut se casser, ce tentacule, là? Ouais. C'est du bois. Essaye, hein, vas-y, regarde, il bouge. L'idéal, ce serait que tu te fasses un petit abri pour planter ta tente. Les tentacules s'agitent. Attention! Ça, c'est du bois. Ah, c'est du bois. Très bien, tentacule en bois. Je me demande si je peux pas faire un feu de camp ou un truc avec du bois et puis du charbon. Eh ben... J'ai des torches, ça peut peut-être... Ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est que tu mettes ta tente... Ah ouais, mais il faut peut-être que je terraforme, hein, du coup. Voilà, du coup, il va falloir que tu aplatisses un peu. Voilà. Toc, toc, toc. Voilà, tu te fais un petit espace. Voilà. Alors, visiblement, je tape dans la... Dans la... Ah, dans la terre, là. C'est plus dur, là. Non, là, c'est... Alors, pour faire ça plus propre, tu peux aussi enlever le décor derrière. Ouais, enfin... Merde. Voilà. Ah, ça fait de la lumière en tout cas. Ça fait un peu de lumière, ce sera plus sympa. Tac. Allez, mets ta tente. Il y a une chute d'eau derrière, vous avez vu, c'est beau. C'est beau. Petite tente. Voilà. Et si tu rentres dedans, très bien. Très bien. Là, tu vas pouvoir te reposer un petit peu et refaire un peu ta vie. Parce que oui, c'est une planète hostile, du coup. Bah, je suis pas super bien accueilli quand même. T'es hein. pas super bien accueilli, mais bon. Ils me prennent pour une envahisseuse. Bon, on va bientôt leur défoncer la bouche. Et tu pourras t'installer voilà, tranquillement. Voilà, bon, je suis prête. Hop, c'est parti. J'ai du mal à me relever. Alors récupère ta tente. Ouais, ça marche. Ouais. Tape voilà. dessus. Très bien. Allez, continue d'explorer lui, un peu ta gentil, planète. Là-haut. Enfin, si... j'espère que c'est tous les mêmes, hein, mais... Alors là, il y a quelque chose qui peut être intéressant, regarde. Là, en dessous, il y a comme une veine, visiblement, de... Enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais une mine. Alors, t'arrives à l'attraper, ce truc-là? Bah, je tape. Tu tapes? Tu me vois sur ton écran de contrôle, de toute façon. Donc, c'est ça, je te suis, je vais essayer de te guider. J'espère que lui, il va pas me... Non. Il me fait rien. C'est bon. C'est une petite sardine volante. Voilà. Alors, ce qui se passe, Luna, c'est que t'as une possibilité de récupérer des ressources et t'as aussi possibilité de crafter. Donc, construire un peu les outils, les matériaux qui vont te servir pour survivre. Je suppose qu'il faut peut-être une table de craft ou un truc comme Alors. Ça. On va aller regarder. T'as hein, le ce menu là, tu vas pouvoir accéder à différents objets. Je Donc, peux faire un feu de camp, visiblement. Tu peux faire un feu de camp, effectivement. Tu peux faire un arc. Ah ouais, bien, un arc. Tu peux te faire des bandages pour quand tu es blessé. Donc je te conseille d'en faire quelques-uns. Je crois que c'est ce que je viens de ramasser, les, voilà, les c'est exactement fibres ça, de plantes. Des fibres de plantes. T'as possibilité de te faire un arc pour chasser. Un feu de camp pour pas avoir trop froid la nuit, et ensuite des matériaux pour construire ta maison. Donc là, pour l'instant, on va peut-être te faire un feu de camp. Voilà, ça peut être pas mal, ça. Enfin, je suppose que... Enfin, j'ai pas essayé, mais... Je pense pas que je puisse faire cuire de la viande sur mes torches. Hein. Non. Parce que lui, tu as faim. Alors lui, il est agressif, hein. Fais attention, ouais, Luna. Ouais. J'ai préparé mon épée. Ouais. Ah, j'ai des super sauts... Alors, pas trop, Je crois que c'est lui qui te fait sauter, mais c'est très c'est bizarre. La pesanteur, comme bestiole. Ouais. Ah mince, je suis bloqué. Oh. Bon, ça, ça passe voilà. pas. Voilà. Petit coup de pioche. Waouh! Il a l'air énorme, lui. Tu t'es fait piéger, le charbon, très bien. Oh, regarde, il y a autre chose en dessous. Si tu continues de creuser plus loin... C'est du fer, visiblement. Du fer.
Très bien. C'est très cool bien. Ça. Récupère, récupère. Ah, je vais pouvoir peut-être me faire, me crafter des. Une pelle ou je sais pas, une. Non, une pioche, j'en ai une, mais une épée ou un truc comme ça, peut-être, je sais pas. Alors. Je vais plus vite. Ta-ta-da. Ah oh, punaise. Ils m'envoient vachement haut. Ils ont des pouvoirs assez étranges, hein, ceux-là. Vas-y, Luna, bats-toi. Un mort et deux. Bien joué. Je récupère des pixels, visiblement. Alors, les pixels, je crois que c'est la monnaie du jeu, si je me souviens bien, c'est ça? Oui, tout à fait. Oula, attends, j'ai l'impression qu'il y a un filon d'or, là. Enfin, je sais pas si c'est de l'or, mais... Oula. Ah, il y a là. Bon sang. Sale bestiole, hein. C'est bien, Lupin, c'est bien. Ton épée, faudra quand même en trouver une, hein, parce que tu risques de galérer. Ben, c'est vrai que je débute avec pas grand-chose pour l'instant, ouais. Mais... Ouais, c'est de l'or, hein. J'ai trouvé un filon d'or. T'as trouvé de l'or, parfait. Alors... Ce serait classe une pioche en or. Ouais. Bling bling. Non, mais je suis une fille, hein, quand même. Hein. Tu crois que je peux me faire un anneau? Pour les gouverner tous? Un anneau en or? Dans... Non, plutôt que de fantasmer, je te propose... Je crois que je suis sur la tentacule. Ouais. Ouais. Je vais jusqu'au bout, hein, du coup. Il vaudrait que tu récupères un peu de bois et que tu te fasses un petit abri pour passer la nuit. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ça serait pas mal, effectivement. Ça serait pas mal, hein. Parce que je pense qu'il y a... Il y a un cycle jour-nuit aussi sur cette planète. Tout à fait. Je sais pas combien il y a de... Il y a de planètes là derrière, c'est joli, vous avez vu, hein. Le système, enfin, je sais pas, solaire, mais... J'ai peur que ta petite tente ne te permette pas de... Enfin, c'est temporaire, quoi, c'est vraiment pour... Ah bah, c'est du camping, quoi. Voilà. Si tu veux t'installer sur cette planète, il faudrait que... T'aies autre chose qu'une tente, quand même. Elle est un peu grande, cette planète, mais... Si j'avais atterri sur une planète un peu plus petite, je pense que j'aurais pu faire le tour... Ouais, non, mais regarde, trouve-toi un coin sympa, un coin tranquille. Ah, je vais aller un petit peu plus à gauche et je vais essayer... Ah, ça a l'air plus sympa, là, par là. Ah, c'est vert. Ah, yeah, voilà, il y a des armes. Joli. Marrant comme biome. Ah, oh, zut, mes flûtes. Laisse-moi. Non, pas toi, Luna, pas toi. Tisse tes bandages, hein, si jamais t'as... Fais-moi la paix. Recule un bandage. Peu. Recule un peu, mets tes bandages. Ouais. Je vais faire ça. Et soigne-toi. Voilà, ça soigne pas. Une petite régène de vie. Dépêche-toi d'aller tuer lui là. Ah, mais je fais ce que je peux. Ah, mais il m'énerve lui. Arrête. Sans. Très bien. Parfait. Récupère un peu de bois et construis ta maison. Allez, c'est pas parti. Tentaculaire, c'est piquant celui-là. Oui, celui-là est piquant. J'espère qu'il va pas me... Alors, il va pas nous tomber dessus, hein. Il va pas me tomber sur la tête et me piquer. En même temps, je suis une plante, normalement ça devrait... Attention. Timbre. Ça va, il n'y a rien eu. Lui, tout va bien. Oh, il y en a du rose, c'est trop mignon. Trop mignon. Alors, un endroit un peu plat... Est-ce que tu trouves un endroit un peu plat? Je sais pas, je pense que je vais terraformer. Là, c'est pas mal, là hein. C'est bien, je vais terraformer, là. Oh, attends, il y a un coffre. Il y a un coffre. Il bouge pas. Alors, j'ai gardé. Lui, il est pas très gentil, je crois. Tape-le. C'est bien. Nickel. Alors, prends le coffre. Je pense que je vais m'installer là. Ah bah voilà, une... Ouf. Une hache. Une hache à deux mains. Alors, bon, elle est un peu pourrie, mais... Je sais pas, elle est mieux que la mienne, je crois, non? Sûrement, regarde, DPS 4. Ah ouais, 4. Non, carrément. Hop. Et je vais peut-être récupérer le coffre, tiens, aussi. Bonne idée. Voilà. Reste là où t'es, toi, là-bas. Hein. Alors... En tout cas, c'est trop mignon, rose comme ça, j'adore. Ça te plaît? Ouais, bah oui. Ah non! Attends. Voilà, c'est bien. Allez, Je terraforme. Voilà, terraforme un peu. Je vais pas terraformer trop parce que j'ai l'impression qu'il y a une mine là en dessous. Ah oui. Faire gaffe. Et fais-toi des planches de bois aussi.
Ouais, ça, j'arrive. Regarde, si tu réutilises un petit peu le bord là, tu vas pouvoir faire. Alors, des planches de bois, très bien. J'en fais une max. Un maximum, c'est parfait. Alors, fais attention, il y a une autre bestiole là-bas. Ouais, je vois. On va aller là. Tiens. Alors, notez quand même que normalement, je suis pas très belliqueuse à la base, mais. Je me fais un peu attaquer, quoi. Mince, il y a le soleil qui tombe là. Oui, dépêche-toi de faire ta maison. Qu'est-ce que tu nous fais alors? Juste un petit toit comme ça? Alors, bah, je vais essayer de faire une cabane, quoi. Rapidos. Une petite cabane rapidos. Mets-toi des torches. Des petites torches et un mur du fond. Ouais, quand même, comme ça, histoire d'être tranquille, d'être au chaud. Pas mal. Voilà. C'est très bien. Bon, mince, je crois que j'ai pas fait de porte. Ah. Flûte, je peux faire ça en craft ou... Alors, voyons voir. Il me semble qu'il te faut une table de craft. Ok, bien, c'est parti. Ça. Je vais faire ça. Hop. Une table de craft. Donc vous avez compris donc que c'est un Minecraft-like, hein, de toute façon. Et typiquement. À partir de ta table de craft, tu vas pouvoir faire plein d'autres choses, comme une porte par exemple. Voilà, là, j'ai trouvé. Sortir de chez toi. Une porte. Alors entre la porte et la gate, je suppose que, enfin, il y en a peut-être une qui est pour dehors et l'autre pour dedans. Ou... Peut-être. Donc t'as plein d'objets à crafter. Hein. Mais a priori, il y en a énormément pour meubler ta maison. Fais-toi un lit aussi. Ouais. J'ai pas besoin de laine ou de trucs comme ça. Non, regarde, c'est que du bois. Planche de bois. Donc c'est bon. Alors. Voilà, j'étais peut-être fait un peu petite du coup. Bah écoute, on va. Moi, je vais pousser ma table de craft. On va pousser un peu tout ça. Mais oui. Alors, je sais pas exactement combien il faut que j'enlève pour mettre ma porte. Peut-être enlever trop, je sais pas. Ouais, j'en ai enlevé un de trop. Ouais, il faut un de trop. Alors, je recommence un petit bout. Voilà. Et la porte. Nickel. Parfait. Oh. À mince derrière, par contre. Ah, flûte. Aïe, aïe, aïe. Ça ne va plus, Luna. Non, mais je vais y arriver. Je suis allée un peu vite en besogne. Est-ce que tu devrais pas enlever l'arbre qui est devant aussi? Ouais... Mais en même temps, il était mignon en rose, ça me plaisait bien. Si tu veux agrandir un peu ta maison. Allez. Alors attention à ne pas prendre trop froid, hein, parce que sur les planètes, quand le soleil est couché, la température baisse très vite. Je pense une fois que j'ai mis mon feu de camp, peut-être que. Regarde comme c'est beau dans la nuit. C'est trop mignon. Attention les bestioles là-haut. J'espère qu'elles sont gentilles. Toujours gentilles hein. La nuit aussi. Bonjour. Ils changent pas de. Bonjour. C'est bon. Tout va bien. Allez. Ils sont mignons. Fermons notre maison. Je me demande si ça fait un peu comme des vaches ou pas. Si on peut les. Peut-être. Si on peut faire de l'élevage. Hop, voilà. Tu veux faire deux pièces? Olé. Ouais, je suis pas très douée. Hein. Je débute. C'est effectivement pas facile à construire hein, au début. Ah mince, j'ai plus de planches. Plus de planches, bon. Et bah écoute, dans ce cas-là, soit tu continues de creuser, de couper les arbres, soit tu poses ton lit là, et je pense qu'il vaut mieux que tu passes la nuit. Ouais, je vais me poser pour l'instant. Hop, je vais mettre mon feu de camp peut-être par contre, hein, peut-être en espérant qu'il me crame pas les pieds. Et à la limite, tu peux combler avec de la... De la dirt, peut-être avec de la terre, voilà. Enfin, oui, de la terre. C'est ce que j'appelle de la dirt. On met un petit peu de terre. Alors, elle est rose. Ça sera ouais, c'est pas mal. Très joli pour Luna. Voilà. Voilà. Bon. Je sais pas si on en met derrière la porte. Peut-être que... Voilà. Comme ça. Histoire que ce soit fermé. Très bien. Bon.
J'ai des petits champignons chez moi. Voilà. Tac. Enfin, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de très mignon quand on aura un petit peu plus de stuff. Elle est belle ta maison, Luna. Ouais, un peu de briquet de broc pour l'instant. Mais... Oui, mais bon, voilà. C'est normal, t'es la première exploratrice sur cette planète. Donc forcément. Allez, je me couche et puis je pense que je vais vous laisser là. On se retrouvera une fois que j'aurai un petit peu exploré plus loin, créé 2-3 trucs, ouais, je te avoir des choses à vous montrer. Quoi. De récupérer un peu de matériel, voilà. Parce que là, t'es un peu dépourvue, ma pauvre petite Luna. Quand la bille est venue. Non, elle est même pas venue. Eh bien, écoutez, au revoir à tous et à très bientôt. Allez, bye bye.